Alors on va faire plusieurs activités, il y a plein d'activités à Courchevel, donc on va faire du fat bike, on a fait déjà, on va faire des raquettes, on va faire du ski de randonnée, et le vélo c'était vraiment l'occasion, on en fait un peu à Paris et c'est l'occasion d'en faire également sur des pistes de neige. Alors le fat bike super sympa, je vous conseille de le faire. C'est vraiment cool, ça glisse un peu, c'est sympa, on tombe, on se fait des petites gamelles, c'est assez cool, on monte un petit peu, ça travaille un peu les cuisses. Et après la descente est très sympa, dès qu'on prend un peu de vitesse, des petits dérapages, c'est vraiment cool. Et vraiment super activité à faire, c'est la première fois que je le fais et vraiment j'ai adoré. Donc le fatbike c'est une activité de vélo avec des grosses roues, des roues très larges et nous on a la chance d'avoir une assistance électrique, du coup c'est quoi dire qu'on a... On est aidé par la batterie, on fait des profils variés avec montée, descente, sur un profil plutôt nordique qui va de sentier piéton à piste de ski alpin en descendant, sur des profils de pente légère type piste bleue, piste verte. Alors on vient de Paris et on a fait la route hier soir, de nuit, on a bravé le couvre-feu pour venir faire cette session vélo. Alors il n'y a pas eu de chute, les premières minutes il faut quand même maîtriser le vélo, après ça vient vite, voilà, il y a quelques fondamentaux, Maxime nous explique parfaitement les astuces à réaliser pour qu'on soit le plus stable possible et puis au final ça va super bien, les vélos sont électriques donc on fait assez peu d'efforts sur les montées et les descentes, bon, c'est le kiff quoi, comme en ski. C'est une activité qui a une petite particularité quand même, ça, il faut quand même le dire, c'est qu'on est beaucoup dépendant des conditions météo par rapport à l'été où un chemin reste un chemin. Là on est sur une piste, donc une piste elle évolue, soit elle a de la neige et tant mieux pour les skieurs et on en fait partie. Et sinon bah, dès que la piste se met damée, à Courchevel on a la chance d'avoir une mairie qui dame très bien ses sentiers piétons, ses pistes de ski de fond. Du coup il y a une personne qui est en charge de ça toutes les nuits. Du coup généralement on arrive à valider l'activité très souvent. Après bien sûr s'il y a une grosse chute de neige, et ben forcément un pneu dans la neige ça, c'est comme la voiture, hein, ça dérape. Du coup on doit reporter l'activité, puis c'est pas très grave. C'est chambé. Un paysage magnifique, on est dans la montagne, on a vu les chiens de traîneau qui se baladaient, on a vu même des gens à cheval, enfin avec des chevaux qui se baladaient aussi. Non, très cool, bah, c'est la nature, quoi. Ça fait du bien de respirer un peu l'air, on n'en pouvait plus de la pollution parisienne, donc on s'est dit on va s'extirper à la montagne, à Courchevel, dans cette magnifique station. Ouais, les vacances scolaires ça arrive demain. Donc nous le week-end, généralement si la météo est favorable, on travaille bien. Donc on va avoir une demande croissante, on l'espère. Après on va voir et on va voir aussi avec la météo. Et normalement ça devrait bien se passer pour nous. On essaierait de passer entre les mailles du filet avec les problèmes de cet hiver, pas facile pour tout le monde, on va dire.